وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ibn Nafi rapporte de l'imam Malik, rahimahullah, qu'il a dit, si on est dans un pays musulman et le dirigeant suit les calculs astronomiques, alors personne ne lui obéit, car il a contredit l'ijma'. Et l'imam al-Qurafi aussi a rapporté cela. Il a rapporté qu'il y a ijma' des salafs, le consensus de tous les pieux prédécesseurs, de suivre la vision et non pas les calculs astronomiques. Alors, celui qui contredit l'ijma', le consensus, sa parole est rejetée, qui que soit cette personne. De plus, il a été rapporté que l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, ou al-Hafiz al-Iraqi, il rapporte que dans le hadith, quand il y a des nuages, faqdurulah, en langue arabe, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Estimez-le, raccourcissez-le, sachez que c'est déterminé auprès d'Allah. Ce hadith, faqdurulah, il a été expliqué dans l'autre hadith. Et il dit, al-Hafiz al-Iraqi, que ceux qui rapportent que le Mutarraf ibn Abdillah, ibn Shikhir, il aurait dit que c'est permis de suivre les calculs astronomiques, ce n'est pas prouvé qu'il l'a dit. Au contraire, c'est des riwayats da'if. Et que, bien au contraire, aucun parmi les salafs n'ont accepté de suivre le calcul astronomique. Donc ce qu'on vous rapporte que soi-disant, il aurait accepté les calculs, déjà, ce n'est pas prouvé de lui. Ibn Abdul Barr, il l'a prouvé dans l'Istidkar, que cette parole, elle n'est pas authentique de l'Mutarrif. Donc, cela prouve bien qu'aucun parmi les salafs n'a accepté cela. Donc, suivre les calculs astronomiques comme le fait l'UOIF, c'est contradictoire au Coran, au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, contradictoire aux quatre écoles juridiques, au consensus des salafs, de tous les pieux prédécesseurs. Donc, cette parole est une parole innovée et contraire aux enseignements de l'islam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.